Bonjour! Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est beau, hein? Cette phrase, j'ai un petit peu médité. Et j'ai eu une scène qui m'a traversé quand j'étais gosse. C'était pendant la guerre du Golfe. En fait, il y avait des images qui tournaient à la télé de guerre, quoi. J'étais petit et j'étais choqué. C'est la première fois que je voyais ça et j'arrivais pas à comprendre que ce soit possible que l'être humain fasse ça. Et je me souviens que je m'étais isolé dans le couloir. Je vous vois très bien où j'étais et je pleurais. Je pleurais. Ben voilà, j'étais un petit qui pleurait parce que il était témoin de l'absurdité de la guerre, de la violence, quoi. Ben, sans doute, vous pouvez vous remémorer aussi des scènes comme ça, les premières scènes de violence. En fait, on n'est pas fait pour ça. C'est quelque chose qui toujours nous choque, toujours, voilà. Alors, tant qu'il y a des larmes, ça va, mais après, souvent, on se durcit. C'est dommage. Toujours est-il que la paix, la paix, la paix, la paix. Eh ben, on a beaucoup de mal à être vraiment dans la paix. Même quand on pense qu'on l'est dans la paix, en fait, si on regarde bien, à longueur de journée, on peut s'agacer pour un oui, pour un non, on peut s'inquiéter pour un oui, pour un non, on peut péter une pile pour un oui, pour un non, on peut être agité. Oh là là, il y a plein d'occasions dans la journée où on perd la paix, quoi. Tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que on a vraiment besoin de la recevoir, la paix. C'est intéressant le mot recevoir. C'est vraiment la paix, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise très bien, les humains. On a vraiment besoin de Jésus, c'est le prince de la paix. Et puis la Vierge Marie, on l'appelle aussi la reine de la paix. Donc voilà, on a vraiment besoin d'eux parce que, en fait, la paix de Jésus, elle ne ressemble pas à tout ce qu'on pourrait essayer de construire nous-mêmes. Elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus diffuse. Elle envahit notre cœur et elle provient, en fait, tout simplement de cette certitude qu'on est aimé. Qu'on est aimé, aimé, aimé. En fait, si vous regardez bien, la seule chose qui peut nous donner la paix, c'est la certitude d'être aimé de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sera aimé tel que nous sommes. Et cet amour nous éblouit, fait de nous et nous rend beau, en fait, nous fait prendre conscience qu'on est des merveilles. Quand on est absolument convaincu, certain qu'on est des merveilles, je crois que la paix peut enfin faire son apparition dans notre cœur. C'est pas de l'orgueil de dire qu'on est une merveille, c'est une vérité. Dieu nous a créés, il nous aime tellement, tellement, tellement. Alors voilà, j'espère que, un peu comme la nature que vous voyez autour de moi, on puisse prendre conscience que nous aussi, on est un magnifique paysage unique au monde. Il n'y en a pas deux comme nous. Et tout ça, c'est l'amour de Dieu qui nous a donné vie, qui nous donne vie à chaque instant. Et c'est seulement cette conscience d'être aimé de la sorte de Dieu qui fait que, ben, on est dans la paix.